Salut Station Fréquence, l'émotion 13 à côté à vous tous de la part de Dandy 33 pour le QSO national du KF27. Alors on est... Eh bien il est déjà 21h et on est samedi 22 octobre. Est-ce qu'il y a du monde? Bon ben ça c'est fait. Voilà, ça y est, tout le monde arrive d'un coup. Il y a eu deux stations qui sont arrivées en même temps. J'ai cru entendre Florent ou Florian. Je sais pas, j'ai pas bien compris. Retour Florent ou Florian, vu que vous avez été deux à parler en même temps. Ouais, pardon. 7751. C'est les stations. Hein. De Florent, c'est pas Florian. Hein. Florent, de Gageron. Ok, ben oui, vous avez été deux à parler en même temps, je ne savais pas trop. Les bonnes sont très à toi, Florent, en espérant que tu ailles bien. Il y a une autre station aussi qui est arrivée, en avant. Les bonnes sont très à toi, Belphégor. Est-ce que tu entends, Florent? Ok Belphégor, il n'y a pas de problème, j'ai pas genre de mon côté j'ai entendu personne. Tu as Florent de Galgon qui est aussi là dans le QSO. Est-ce que tu l'entends? Non, j'ai pas de retour de Florent. Ok Florent, est-ce que tu entends Belphégor du département 47? Ok, bon, ben, ça n'a pas été évident. Alors, voyons les stations en fréquence pour le QSO national du Canal 27, en avant. Oh là là, il se dégage vite, ça n'a pas été évident, la flèche de faire le QSP. Oh là 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 là, salut Denis, salut Florent, et re-salut Jean-Marie, voilà voilà, bonsoir la compagnie créole. Salut, allez, un cassage en direct, hachi. Eh, par contre, là, tu manques à ton devoir, toi, t'as oublié quelque chose. Ah, oui, je sais, parce que, ouais, non, mais là, il est en charge, alors c'est pour ça. Ah, ah, là, ça manque, là. Ouais, mais je vais l'attraper tout à l'heure, je vais le passer, tu vas voir un peu. Ah oui, mais c'est au début du QSO qu'il fallait le faire, hein, chie trois coups. Ouais, bon, tu as Jean-Marie qui est là, tu as Florent de Galgon qui est là aussi. Je sais, j'ai entendu, j'ai parlé tout à l'heure avec Jean-Marie, voilà, impeccable, ça passait bien, voilà. J'ai entendu Florent aussi, ça passait bien, ouais, j'ai entendu que tu étais ta directive, Florent, vas-y à toi. Ouais, salut. Eh bien ok, pourquoi pas. Bon, Dolu 33, Ludovic, bon, on sait déjà qu'il ne sera pas là ce soir. Pour le report, Florent, c'est du 53-43 là de mon côté. Hein. Bon, ça passe bien, c'est pas épais, mais ça passe bien. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des stations fréquences pour le QSO national du Canal 27? Ben, j'ai un bruit de fond qui est bien présent, mais un Santiago 0 de QRM. Et, au fait, Thierry, j'ai baissé le compresseur du micro, là. Est-ce que ça va mieux de ton côté, là, au niveau du bruit, là, du QRM que j'ai dans la modulation? Ah, ben là, c'est impeccable, il n'y a plus rien. Non, moi, franchement, je te l'aurais dit, qu'il y avait toujours ce souffle derrière, ça divise. Non, mais là, c'est bon, c'est impeccable.
impeccable. Ok, une petite porteuse blanche pour voir. Ok. J'ai l'aiguille qui bouge à peine, hein. C'est pas disparu, mais ça bouge à peine. Ouais, ouais, c'est pas disparu, ouais, mais c'est rien, là, c'est que dalle. Ouais, bon, c'est le principal. Sinon, ben, si c'est trop chiant, je fonce dans la voiture, j'attrape le 7009, je branche à la place, et puis basta, hein. Non, non, mais là, ça s'arrête, parce que moi, je suis prêt, voilà, je l'entends, mais les autres, au loin, ils vont pas l'entendre, hein. C'est bon, c'est bon. Ouais, mais bon, sur un poste comme ça, ça devrait pas y être. C'est ça le truc. Et puis il faudrait que je me décide à tirer un fil de masse. Là, pour mettre fil de masse, un fil de terre, je veux dire, pour mettre là, toute la station de la terre. Mais non, tu fais pas chier, tu le jettes, tu poubelles, t'en rachètes un neuf, tu prends un 5000, oh, oh, on va se faire chier à ça, un fil de masse. Oh, allez, on change de poste neuf, et puis on n'en parle plus. Putain, tu parles du 5000, ouais, t'as vu ça dans la vidéo? Oh la vache, la bestiole, quoi. Putain, il est énorme le truc, hein. Ouais, non, mais j'avais déjà vu le 5000, voilà, ouais, j'avais déjà vu. Oh, ouais, mais oui, là, c'est pas un petit poste, hein. Voilà, voilà. Ah, bah, qu'est-ce qu'il fait, Eric, là? Qu'est-ce qu'il branle? Eh, il est pas à l'heure, quoi. Ouais, il y a beaucoup de monde à l'apéro ce soir, j'ai l'impression aussi, hein. Bon, je t'arrive bien alors, Jean-Marie. Mais écoute, toi, tu m'arrives impeccable, hein. Il y a un 7, la radio 5, hein. Non, non, très très bonne radio, t'as bien fait, là, avec ton antenne. Ça passe hyper bien, là, ici, là. Ben, tu connais mon grignage? Non, non, c'est où? Est-ce que t'as le calcul des locataires? Fait exprès pour brouiller. Donc pour étudier le calcul, t'as un super logiciel là, sur le PC, locateur 11 000. Ok, j'ai noté JN04DN. Ok, voilà, je regarderai, mais pas maintenant. Bon, j'ai décalé exprès pour pas qu'on entende, c'est quand même assez confidentiel. Ok, bon, vu que j'ai une petite vidéo qui est en cours, je me suis volontairement décalé en fréquence pour pas que ton QTH soit enregistré dedans. Hein. Donc c'est bon, t'es tranquille de ce côté-là, Jean-Marie. Pas de soucis, Rémi, t'inquiète pas, j'ai pas peur, hein. Y a pas de soucis. Voilà. Ouais, très peu d'activité radio, hein. C'est très calme en ce moment. Bon, un petit péché mignon, c'est la SSTV. SSTV, très calme, hein, très calme. Donc souvent, il y a de l'activité le dimanche matin, donc. Ok, bah tiens, puisque tu parles de ça, Thierry, tu m'avais donné une fréquence, là, le 7 MHz 123. Eh bien, j'ai toujours pas eu le temps d'aller écouter. Est-ce que t'as des news de ce côté-là? Ah là là, mais je suis retourné moi après, mais je suis pas retourné, ouais, c'est le mercredi. Le mercredi, voilà, c'est le. Ça s'appelle l'Union des Radios Club de France, Club des Aveugles, voilà. Voilà, c'est le. C'est tous les mercredis, voilà, en Limacira Bravo, de manière 7 MHz 123, hein, c'est Limacira Bravo, voilà, voilà. Non, je sais pas, même mercredi, là, j'ai pas été écouté, ouais. Ok, mais à chaque fois, je me dis, il va falloir que j'y aille et tout, puis à chaque fois, je me retrouve coincé au pro, ou, enfin, ou autre. Est-ce que j'ai pas encore le temps? Putain, c'est chiant, ça. Mais ouais, faut prendre le temps, voilà, voilà. Bon, il y a personne d'autre. Ludo, il est pas là, alors Ludo, il est pas là, c'est ça. Bon, mais Eric, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait, ou alors il nous entend pas. Il n'y a pas grand monde ce soir, hein. C'est très très calme, hein. Très très QRP.
Ouais. Au fait, Jean-Marie, est-ce que tu m'entends aussi fort que hier soir ou c'est moins bon? Ouais, le problème c'est que voilà, là j'ai remonté le compresseur. Attends, bouge pas. Ouais, voilà. Le problème c'est que si je remonte comme ça, j'ai à nouveau le QRM derrière qui est amplifié. Ah ouais. Ouais, après c'est de la radio, vraiment, c'est pas tant cher. Je veux dire, c'est quand même du 59 plus, c'est avec, je veux dire, ça passe bien. Hein. La radio est très très bonne. Hein. Maintenant, si tu veux pour finir. Sur le micro, ouais. Après, c'est quoi, c'est un micro amplifié, ça? Non, c'est le micro d'origine. Je jouais avec le compresseur du poste, c'est tout. Hein. Là, mais ce que je vais faire, je vais attraper une barre à mine, je vais l'enfoncer là sous la station, là, ça me fera un bon et une bonne mise à la terre. Foutre toute la station dessus, comme ça, ça me nettoiera un petit peu quelques trucs là, qui traînent. Et ce sera tout bon. Mais je suis pas sûr que l'YL soit contente. Ah oui, aussi, si je me loupe. Non, tu vois, au niveau signal, ça fait pas de soucis pour ça. Au niveau signal, ça pète les... Hein. Au niveau radio, c'est vrai que tu pourrais améliorer. Je pense que c'est le micro ou un truc comme ça, quoi. Tu vois, Thierry passe beaucoup mieux. Alors, je sais pas ce que t'as comme micro, Thierry, là. Voilà. Ben, après, Rémi, ouais, je pense que... un petit truc sur le micro, tu devrais faire, là. Ouais, j'ai bien mis le croix à pied de prévu pour ce poste. C'est le... je m'en certainement que je me souviens plus du nom, quoi. C'est le Yazoo MD100. Mais apparemment, il serait moins puissant que le micro d'origine. C'est un comble, ça. Merde, je lâche la pédale, moi, quel con. Merde, moi là, j'ai pris le MD100, pareil. Moi, là, j'ai le MD100, mais est-ce que t'entends pas ce bruit, là? Regarde, je parle pas. Si, il y a tous les bruits de la pièce qui ont été amplifiés. C'est justement parce que tu parles qu'on n'entend pas les bruits de la pièce. Et dès que tu as arrêté, on a tout entendu derrière. Ah, ben ouais, il y a la télé qui marche. Voilà, ouais. Non, mais toi, je te parle là, avec le MD100. Tu vas me dire la différence, là, tu vois. MD100, on reprend pas le micro. Là, je parle avec le MD100. Voilà. Et là, je reprends. Là, je suis avec le micro à main, le MH31. Voilà. Et je pense qu'il n'y a pas trop de différence. Bah, je n'ai même pas senti la différence. Et tu peux m'expliquer comment tu fais pour basculer aussi vite? Parce que là, c'est plus vite que l'éclair. Hein. Eh bien, regarde, là, je recommence. Là, je te parle avec le micro sur pied. Là, regarde, tu vois, je te parle avec le micro sur pied. Plaque, et là, je te parle avec le micro à main. Tu vois, je lâche vite la pédale et j'en appuie sur le micro à main. Voilà, du moment que j'ai la main. Parce que moi, ils sont branchés les deux sur le même cordon. Hein. Oh d'accord, putain la vache, mais le MT100, ben oui, le noir, là, c'est bien celui-là que j'ai. Bon, faudra que je revoie ça de plus près, quoi. Ouais, faudra que je branche un poste en RX à côté, comme ça, sans antenne, que je refasse des essais et tout, parce que, non mais c'est clair, c'est moi qui sais pas le régler, hein. Ah ben non, mais il n'y a pas de souci, hein. J'ai jamais prétendu connaître quoi que ce soit dans tout ça, hein. Déjà, si j'ai pris... Ah, je suis sur quelqu'un, là. Le MD100, il est branché au poste, voilà. Il est branché au poste, à la prise du poste. Et après, j'ai branché mon micro à main à l'arrière du MD100. Tu vois, comme ça, ils sont tous les deux branchés en même temps. C'est compliqué, donc t'as un verre, alors. Salut tout le monde. Salut Eric, ok d'accord, j'ai compris. Ouais, alors attends que je regarde moi derrière le micro. Putain, mais vous. Mais oui! Oh l'enfoiré! Non, désolé. Ok, compris. Oh là là, il savait pas. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Salut Eric, comment ça va? Ça va. Ben alors, ce soir, beaucoup de qui rêvent ce soir, moi de vos côtés. Encore? Oh là là, tu les attires. Bon, mais donc tu vas pas attendre. Tu vas pas entendre Jean-Marie alors, parce qu'il y a Jean-Marie qui avait là.
c'est le bordel, hein. Je vais vous le dire que c'est le bordel, voilà. Décidément, t'as pas de chance, toi, avec ça. Alors, il a plein de QLM et bientôt, il va y avoir des immigrants. Oh là là, quelle merde. Break. Oui, le break, 73. Attends, mais je fais gore deux secondes. Salut Christophe, tu vas bien? Ouais, 73, j'ai eu le temps, il n'y a pas de soucis. Eh, 73 Christophe, tu as aussi la Belphégor justement là, qui essaie de reprendre le micro. Les 73 Christophe, retour Belphégor. Ok, Eric, Belphégor, tu fais dire que c'est un message reçu. Alors, voyez un petit peu ça. Non, le QRM est toujours là. En mettant un micro intermédiaire, ok, voilà, je suis avec le micro d'origine. Et maintenant, je suis sur le micro à pied. Ça marche? Ben oui, ça marche. Mais moi, j'ai tout le temps branché comme ça. Hein. Voilà, j'ai tout le temps branché comme ça. Hachi, ok, alors ça donne quoi là? Waouh, et il est plus long à relâcher, on dirait, je sais pas. Donc là, oui, le micro à pied. Ok, là maintenant le micro à main. Je sais pas, ça n'a pas l'air terrible. Bon, pour le coup, il n'y a plus personne. Oh, c'est quoi la blague? Non, mais moi je suis là. J'étais debout parce que le chien gueulait. Je vois ce qu'il fait là. Je reviens, je suis là. Ils sont tous partis. Ah oui, j'étais en train de faire des petits tests et tout, là, vite fait, je relâche, plus personne. Hey, t'es là? Ouais, je suis toujours là, mais alors, Thierry, il fait le QRM ce soir. Oh là là, bon, je reviens, s'il n'a pas gueulé, je vais voir ce qu'il a, moi je reviens. Break. Break. Ouais, vas-y, le break. Eric, il se trouve du côté de Bordeaux. C'est bizarre qu'il m'entende de ça parce que... Ouais, je vous écoute, dès que ça ira mieux, je me manifesterai. Ok, Eric.
Mets un coup de. Mets un coup de fusil dans le transfo qui est à côté de chez toi, Hachi. Ah non, mais de toute façon, vu la propague qu'il y a en ce moment, ça ne m'étonne pas, hein. Ah, elle est à zéro la propague. Il y avait la propague. Où c'est qu'il y a la propague? Non, non, oui, il m'entend mal. Non, je disais, là, à la minute même, elle est à zéro, là, la propague. Et cet après-midi, par contre, j'ai quand même entendu la réunion, j'ai entendu quelques trucs passer, hein, quand même. Ok, là, tour de contrôle, tu es des nôtres ce soir? Attention à la tour de contrôle. Eric est parti. Non, Thierry, là, il est occupé, il revient. Il est occupé, là, pour le moment. Eric, il a trop de QRM pour le moment à cause d'un truc là qui est pas loin de chez lui, là, qui lui fout une merde pas possible. Michel, la tour de contrôle, est-ce que tu es parmi nous? Oh, ça va être un QSO très calme ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu des comme ça. Quoi. Tiens, ah oui, attends, zut, j'étais en train de chercher une connerie. Ah putain, je sais plus le nom. Ouais, j'ai un bug. Je suis en train de chercher le nom d'un logiciel. Ah, je sais plus. Quoi. Christophe, le logiciel avec lequel t'arrêtes pas de me harceler, Hachi trois coups. Ah non, parce que tu me demandes, oui, c'est zéro, zéro, mais j'ai j'avais envie de rigoler, du coup, je me suis amusé à te rechercher un peu vite fait comme ça là-dessus. Je me suis dit, attends, on va rire, je lui ai envoyé une demande. Mais si, il va s'accrocher au rideau là. Et t'es avec quel poste là, Eric? De quoi? T'as demandé avec quel poste? Je répète, vous arrivez comme un débombeur. Putain, là j'ai eu du mal à te sortir, Jean-Marie, là. Ok, ça y est, là je t'ai entendu. Ça va vous parler à la table. Oui, j'ai entendu le Roger Bip, là, du 7009. Ouais, Thierry, tu sais avec quoi il est, là, Eric, ce soir? Avec quel poste? Putain, mais il passe bien la vache avec, hein. Eh oui, voilà, donc bon, mais il passe bien, mais voilà, mais ce qu'il y a, nous on l'entend bien, mais lui, il nous entend pas bien, voilà, il y a beaucoup de QRM. Tu m'entends bien, lui? Tu
Tu m'étonnes, c'est du 55 que tu verras dans la vidéo, ça passe vraiment bien. Hein. Et j'ai entendu parler d'un filtre justement QRM éliminateur. Qu'est-ce que t'en penses? Tu le connais ce filtre? Je crois qu'il serait pas mal à tester. Ouais, j'ai écouté la vidéo d'hier. Ouais, oui, c'est vrai, je sais que vous allez t'en aider, ça passe avec le bon signal et tout, la bonne radio. Oui. Mais moi, vous, les ondes provenant de ce côté, mais ça veut pas, quoi, voilà. Ouais, ouais. Thierry, vu que t'es plus près, tu peux lui parler de QRM éliminateur. Là, je crois que c'est un filtre qui lui serait bien pratique. Hein. Il t'entend, hein. Et je passe le QRX. Ok, M. Feger, à plus tard. À plus, Rémi, 73. Ok, 73. Putain, il y a des Roger Beep de tous les côtés, là, derrière. Hein. Enfin, de tous les côtés, non. J'entends un ou deux Roger Beep derrière. Vous voyez les stations avec les Roger Beep en avant? Encore un. Ouais, ouais. À quoi que c'est un QSO local. Local, au niveau fréquence, je veux dire. Ah, j'ai balayé un petit peu à droite à gauche, j'ai rien entendu. Décidément. Santiago 4, ça a baissé pour ma part. J'ai encore balayé à droite à gauche, j'ai rien trouvé. Ben ouais, là je me suis mis en direct, je me suis tourné vers Bordeaux pour voir. Voilà, voilà, bon, c'est pareil. Eric, tu n'entends pas mieux? Il parle pas, je comprends pas, là, voilà, c'est impossible. Voilà, il ne comprend pas, mais ça c'est normal. Ce langage de sourd, quoi. Alors, il y a le QSO des aveugles et maintenant il y a le QSO des sourds, hein, à H3 coups. Eh oui, le seul nouveau poste, c'est le premier nouveau poste, oui. Wow, t'es parti en fréquence là, Eric. Moi, je passe, moi, je ne t'entendais pas, c'est quoi ce poste, merde? C'est pas Eric qui parle là. Ouais, c'est Eric qui parle, mais il est parti en fréquence.